Chuch, arrêtez d'être méchant avec moi. Mais alors, il avait une peurison hein, dans son sous-sol. Il y a eu un rite satanique. Ils sont modernes, les toilettes, ici. Ah, c'est quoi, ça? Voilà. Oh. Qu'est-ce que vous disiez? Je ne comprends pas. Je vais découper les pelanges. On va aller faire le rituel. Ah, c'est Georgie. On y va. Hey, coucou mes petits palmiers. Merci à tous les membres qui soutiennent ma chaîne et qui font partie de la super team palmeillée. Un bisou. Je suis super méga content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Gaming. En plus aujourd'hui on va continuer l'aventure de Pennywise Horror Clown. On va faire le chapitre 2. On va continuer l'aventure de la dernière fois. Ça va être palpitant et effrayant à la fois. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous à l'école, à la faculté, dans votre travail ou à la maison tout simplement. J'espère que bah, vous êtes joyeux et si c'est pas le cas, bah, je vais vous apporter de la joie. Et puis voilà, du coup, je voulais vous dire merci, tout simplement merci pour être toujours là, pour agrandir la famille Team Palmeillée et tout. Donc merci à vous, merci bien sûr à tous ceux qui sont abonnés depuis très longtemps à ma chaîne, à tous ceux qui arrivent chaque jour. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, venez rejoignez la Team Palmeillée. Pour ceci, cliquez simplement sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche en activant bien toutes les notifications pour être parmi les premiers à recevoir mes nouvelles vidéos. Il y en a une le mercredi à midi et une autre le samedi à 10h. Oh ouais! Allez! J'ai vraiment hâte de découvrir la suite du clown psychopathe, alors on va dans l'espace gaming. Ouh! Ça y est, nous voici dans l'espace gaming. Bon bah on est prêt à retrouver le clown psychopathe Hit Horror Clown Pennywise. C'est un sacré nom. Bon bah alors dans la première partie du jeu, on avait libéré Kimberly. Kimberly, c'est son nom, je sais pas lui. Non, c'est pas Kimberly, c'est... Bon, je sais pas lui, on avait libéré notre ami, mais on avait réussi à ouvrir la porte de la cave. Et on s'était arrêté là. Bon, on va continuer aujourd'hui, je sais pas ce qu'il reste à faire. Voilà, bah c'est un tout nouveau chapitre. Alors, bah, je prends mon téléphone, t'as dit lâche ton énorme pouce bleu. Et c'est parti. Et voilà, nous voici dans l'écran d'accueil du jeu, Hit, tout simplement, Hité. Et y a pas de musique pour l'instant. Et vous voyez, heureusement, il y a un petit bouton pour aller directement au chapitre 2. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bah alors c'est parti, je clique et voilà, normalement ça va nous mettre... voilà. Donc la dernière fois, on avait réussi à venir ici, on s'était arrêté là. Ça fait peur, c'est tout sombre, maintenant on est dans la cave du clown. J'ai peur de ce qu'il va y avoir, mes petits palmeillers. Parce que la première partie du jeu m'a fait quand même beaucoup, beaucoup de peur. Oh ouais, j'en ai frissonné sous mon palmeillier. Bah, c'est quoi tous ces boutons? Fil de fer. Bah, écoutez. Voilà. On prend tous les objets qu'on veut, hein. De toute façon, on a un sac à dos, on peut ranger. Fermé. Fermé. Bah, super. Il est grand son garage. Oh, mais... Enfin, c'est un sous-sol vraiment... super méga grand. Oh. Bon bah, tout est fermé, hein. Pas humain. Si tu dis que moi je suis pas humaine, mais je suis humaine, hein. Je suis pas bon. Ah mais c'est le clown peut-être. Bah, c'est ouvert. Je sais pas si je suis contente finalement d'avoir ouvert une porte. C'est quoi tout ça? Y a du bazar dans ton sous-sol. Faut ranger, hein. Qui a fait du bruit? Chuch. Vous arrêtez immédiatement. Arrêtez d'être méchant avec moi. Je suis Nadège Colonel. Et je vous renvoie en enfer. Non, je suis pas exorciste. Alors. Ah, on peut ouvrir les cellules. Mais alors, il avait une prison hein, dans son sous-sol. Mais qui a une prison dans son sous-sol? Ah, un papelier. Non, mais vous imaginez, lors de la visite, s'il veut vendre sa maison. Oui, alors vous avez une salle de bain, les toilettes, une cuisine, une prison. Super. Bon, alors, on lit le papelier. Un homme cinglé dans la cellule opposée semble essayer d'effectuer une sorte de rituel. Il semble qu'il essaye d'ouvrir une porte sur l'au-delà, mais le géoleuillet a pris son livre d'ombre et l'a enterré quelque part. Bon, ok. Alors il faut aller dans la cellule d'en... Ah, elle est fermée, bah bien sûr. Barre de fer. J'ai besoin de quelque chose pour couper les barres de fer. Oh, il y a des bougies et tout. Il
Il y a eu un rite satanique. Ça doit être ça. Ils ont dû invoquer les démons et tout. Et le queloup, c'est le démon. Oh, c'est quoi? Ils sont modernes, les toilettes, ici. Oh, pourquoi il est à l'envers? C'est rigolo. Bon, alors, vous trouvez quelque chose pour couper les fils de feu? Mais que quoi? Bouteille de gaz? Je devrais mettre de la poudre pour détruire cet endrobeua. Bah ouais. Oh, une berceuse. Que puis-je faire avec cette berceuse? Je te le demande. Bah, bon. Y a rien d'autre à fiche? Non? Bon, alors écoutez, pas grave, on continue. On va explorer toutes les cellules. Faut bien les regarder dans les toilettes parce que des fois il y a des objets cachés vraiment dans des endroits improbables. C'est quoi ce bruit? En tout cas, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant, c'est cool. Il n'y a pas de monstres et tout et tout. Ah, c'est le porte. C'est le bruit de la guérie qui s'ouvre, tout simplement. Alors. J'ai ce père qui va pas y avoir de monstres et tout, mais pour l'instant on est plutôt tranquille. Alors, on va aller par là. Ah, elle est fermée. Bon, on retourne par là. On va continuer d'explorer le premier étage du baroquin. Enfin, de la prison, pardon. Faut aller à gauche. Ensuite, par là, c'est Guérand. Ah, bouteille de gaz. Ah, faudra mettre de la poudre par au-dessous. D'accord. Bah, faut que je la trouve, quoi, c'est tout. Oh, la porte est fermée, j'ai besoin d'une queue. Oh, coucou la caméra, coucou. Faut sourire quand il y a une caméra là. Ah, super. Quoi ce bruit? Arrêtez de faire des petits murmures, des petits chuchis chouchous. Ah, c'est quoi ça? J'espère que ça va pas se réveiller. Planche de bois. Oh, j'ai récupéré une planche de bois. Super. Mais pourquoi faire exactement? C'est mystérieux. Bon, je pense que tout ça ici c'est fermé. Peut-être avec la perceuse, on va essayer de percer la planche de bois. Allez, on y va. Dépêche-toi. Allez. Voilà, voilà. On peut pas courir plus vite, non? Voilà, la perceuse, elle est ici. Est-ce que je peux faire quelque chose? Voilà. Alors avec ceci? Non. Mettre ça ici? Non. Mais c'est bizarre. Pourquoi j'ai une planche de bois? Faudrait m'expliquer quelque chose. Là, y a vraiment rien à faire, hein. Bon, là, on va retourner là-bas. Attendez, je vais quand même explorer ici. Y a rien. Y avait vraiment rien dans ces petites cellules. Mais pourquoi ces toilettes, elles sont comme ceci? Ça me perturbe. Y a des toilettes qui sont pas comme les autres. Ah, il avait le droit d'avoir un toilette privilégié et tout. C'était qui? Le chouchou, là, du Kelloun. Là, y a rien. Là, y a... This way. Bah oui, mais... D'accord, mais bon... Y a rien par là-bas. Oh, c'est pas possible. C'est quoi, ça? Ça sert à rien. Là, y a rien. Ici. Je peux rien faire. C'est quoi, ceci? C'est rien du tout. Là, bah non. J'ai pas la queue. Ah! Attendez, je vais explorer encore par ici. Ça va, hein, les murmures et tout. Faut peut-être pas mettre la planche quelque part. Y'a rien à faire ici. Je vais explorer ici. Y'a rien. Y'a rien. Arrêtez de faire chuchu. Ah! Vous êtes censé dormir, alors dormez. Bon. Bon, vraiment, y'a rien ici. Bizarre. On va retourner par là-bas. Quelque chose va peut-être s'ouvrir. Non. Non. Peut-être ça. Oh là, oh. Ici. Oh. Et puis ça fait rien. Là, y'a rien. Mais y'a rien. Oh, ça commence à m'énerver, hein. Y'a rien du tout. Tout est fermé et tout. Pourquoi j'ai une planche de bois? Oh là là. Bon, on va trouver. C'est pas grave. On insiste un peu. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Ah, ah, c'est quoi ça? Ouh là 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 là, mais fallait le voir, ça. Quelque chose ne va pas, ok? Faut trouver la bonne combinaison. Non. 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 Alors,
Ceci? Non? Ah, mais c'est pénible! Non? Non? Ah! Attendez, faut trouver la bonne peut-être combinaison. Donc, gauche, droite, milieu. Ah! Je suis intelligent, c'est écurie. Ah! Bon, c'est bien, une dalle. Cette pierre est très suspicieuse. Je ne devrais pas marcher dessus. Bah, ok, mais comment qu'on fait? Peut-être avec le fil de fer? Non? Je vais m'arracher dessus quand même. Ah! Voilà, j'ai été tranché! Ah, j'ai été coupé! Oh non! Bon, c'est pas grave, normalement on a des vies. Ouais, j'ai garrodé ma planche de bois. Alors, on va retourner là-bas. Et on va voir si on peut pas placer la planche par terre. Peut-être que c'est ceci. Allez, dépêche-toi. Peut-être qu'en bas aussi, il y a une cellule cachée. Je sais pas. On va voir. En tout cas, tu peux pas placer ça là. Il peut pas sauter. Ah! Bah oui, mais non, mais comment ça se fait? Alors, faut peut-être que je prenne quelque chose pour jeter. Faut que je trouve quelque chose pour jeter sur la dalle. Mais y a pas grand-chose ici, hein. Vraiment, Mais ça? Ça, je pourrais le prendre pour le poser. Mais il me laisse pas le peu rendre. Alors, moi, je veux bien, mais voilà. Bon, faut trouver un objet. Objet! Oh, mais y'a rien du tout! Ouh là 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 là! C'est quoi ceci? Une barrique! Voilà! Je vais jeter la barrique sur la dalle! Oh, tout se débloque facilement aujourd'hui, je suis contente! Ils l'ont dit, je suis intelligente! Allez! Ouais! Bonjour! Voilà, je suis passée! Bon, là, y'a une scie! Ah! Y'a la tête de l'autre côté, bah oui, bah voilà, bah super! Alors toi? Hein? Il y a des piquets et tout. Beverly! C'est Beverly. Coucou Beverly! Mais qu'est-ce qu'elle fait là? On l'avait pas sauvée la dernière fois. Je suis désolée de vous avoir trompé. Je pense que tout va finir quand il vous attrapait. Parle pas français. Mais j'avais tort, il n'a pas tenu sa promesse et c'est le prix que je dois payer. Qu'est-ce que vous disiez? Je ne comprends pas. Si je n'ai pas faire ça, il nuira à ma famille. Je n'ai pas d'autre moyen. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Adieu Bill, mon ami. Beverly, Beverly. Ce méchant clown. Bah, suivant! Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je passe. J'ai pas compris l'histoire, la traduction est un peu bizarre. Bon, super. En tout cas, c'est un endroit de torture ici. Hein? Vraiment, là, ça fait mal. Lui, y a rien. Y a rien du tout. Ah! Une lame. Alors, attendez, je vais prendre ceci. J'ai besoin de quelque chose pour stopper cette scie. Le fil de fer? Ouais! Ah! J'ai récupéré ceci! Attendez, je prends le fil de fer quand même. Mais j'ai ceci! Je vais pouvoir aller couper en BEA! On y va! Enfin, je pense que c'est ça. Pourquoi c'est tout neuf là? Arrêtez de me faire des pièges! Ça suffit, hein! Enfin, j'espère que c'est. Oh, la perceuse! Je vais essayer de fabriquer une arme pour refaire. Pour couper, trancher! Allez, on y va! On va placer ça sur la perceuse! On y va! Allez, petite perceuse, dis-moi que c'est ça! Ouais! Regardez, j'ai un outil. Ah, je vais découper les planches. Enfin, ceci. Ouais, je suis trop forte. Un rituel. Alors, je prends la pelle. Merci. J'ai besoin d'une planche de bois. Bah ouais, je l'ai, elle est là. Ah, elle est ici. Ah, j'ai complété le rituel. J'ai besoin de livre des ombres. Un livre des ombres. D'accord. Attendez, je prends la pelle dans ma main, hein, on sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Hein. Alors, le livre des ombres, je l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le livre des ombres. Là, c'est fermé. Peut-être qu'il faut creuser quelque part, là où il y a tous les gens qui font dodo. Peut-être, on va aller voir. Bon, la bouteille de gaz, elle sert à rien, j'ai pas la poudre. Là, il y a rien. Faut creuser quelque chose, à mon avis, avec cette pelle. Mais quoi? Ça, c'est un mystère. On va aller voir là où les gens font dodo. Dans les sacs de poubelle. Ah, voir si c'est ça. Allez.
C'est stressant l'ambiance. Fou la 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 la. J'ai toujours pas la queue. Là, y a rien. Il est où le livre des œufs ombres? On va aller voir par ici. Chuch! Arrêtez de faire du bruit. J'ai dit chuch. Là, y a rien. On peut rien faire avec ceci. Ils servent vraiment à rien, hein. Bon, merci, mais non, merci. Fou là là. Peut-être qu'il faut revenir ici. Ouais. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire ici. Creuser quelque chose. Ah! Elle m'a donné la quenelle, j'avais pas vu. Mais quelle petite coquine! Bon, maintenant que j'ai la quenelle, je vais ouvrir ici. Je récupère la pelle. Qu'est-ce que c'est que ce couloir mystérieux encore? Ah, mais c'est Guerin! Bonjour! Je ne peux pas l'ouvrir, ok? Bah, l'ouvre pas. La terre! Ouais! J'ai creusé! Encore! Ah! Le livre des ombres! On va aller faire le rituel! Ah! Allez, c'est pas vrai! On se dépêche? On retourne par là-bas? Oh, mes petits palmiers, je suis à la fois contente et effrayée de ce qui va arriver. Je vais faire un rituel. Ah, oh. Bon, allez, on y va. Dépêche-toi, tu vas dans la cellule. Bon, attention mes petits palmiers, je pense que ça peut faire peur, hein. C'est parti. Yeah. Il a fait ah. Georgie, est-ce vous? Ah, c'est Georgie du film Hit. Georgie est le petit frère de Bill, il est tué 27 ans par Pennywise. Oui, je suis Georgie. Tu me moques, comment peux-tu venir ici? Nos mondes sont différents, tu viens d'ouvrir accidentellement la porte de connexion. Une âme m'a dit que tu es dans danger, donc je suis venu t'aider. Je vous ai aidé à ouvrir le sous-sol. Détruis cet endroit, ne le laissez pas faire de mal avec qui que ce soit. Je dois y aller, au revoir mon cher frère, je serai toujours avec toi. Georgie, non! Non! Non, Georgie, non! Bon, il s'en va, après tout, il veut faire dodo. Alors, ok. Et qu'est-ce qu'il a fait, Georgie? Il m'a donné quelque chose? Rien du tout? Ma mère aussi, Georgie! Vraiment, ça sert à rien! C'est ça, le rituel? Bon, bah écoutez, on va aller voir si ça a pas débloqué quelque chose. Non? Peut-être la porte du sous-sol? Allez, on va aller voir si ça a pas ouvert la porte du sous-sol. Allez, on y va! La 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 la. C'est rigolo. Écoutez, quand il marche, ça fait clac 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 clac. Oh, j'ai le OQ. Bon, allez. Dis-moi que tu as ouvert la porte du sous-sol, Georgie. Au moins, tu auras servi à quelque chose. Ouais. Regardez, il a ouvert la porte du sous-sol. Qu'est-ce que c'est? La bombe? J'ai de la bombe. Pardon, c'est un rototo. Alors. Bah, je dois détruire cet endroit de bois. Bon, on va les placer, les bombes, là où ils nous ont dit. On y va. C'est quoi ces bruits? Arrêtez immédiatement. Il n'y a pas de poudre. Ils m'ont dit de mettre de la poudre, mais en fait, c'est ça, c'est les petites bombes. Bon, on y va. On va placer les bombes. C'est marrant, dans cette deuxième partie, il n'y a pas de monstre. Remarquez, tant mieux. Allez, on y va. On va d'abord placer la première bombe sur l'autre truc là-bas. Faut bien tout détruire pour bien anéantir le clown psychopathe et ses démons. Allez, plus que quelques mètres. Ici, hop, voilà. J'ai mis ceci. Bon, faut peut-être pas traîner, hein. Si ça explose, oui mais non. Et on va placer l'autre. Et ensuite, on s'en va. Allez. Allez! Voilà, voilà. On va placer ça ici. Courez! Les arbres et la maison tomberont! Ah! Bah oui, je cours! Vite! Cours! Cours pour ta vie! Cours! Ça va faire boum! On va là-bas. Allez! Je ferme les portes! Voilà! Comme ça, je suis en sécurité! On y va! Ah! On a fini! Oh, on a fini! Ouais! On s'est libéré! Super! On a
réussi le jeu Pennywise It Rourke Loon. Oh, je suis trop contente. Bon bah cette deuxième partie faisait moins peur parce qu'il y avait pas le monstre, mais c'était plus intéressant je trouve qu'il y avait plus d'objets, des énigmes, rituels et tout. Donc j'ai vraiment adoré. Bien écoutez, dites-moi dans les commentaires quels autres jeux vous voulez qu'on fasse. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, laissez plein de pouces bleus. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à moi, l'un de vos amis, pour faire grandir la Team Palmeier. Merci. Bisous, bisous, ma petite palmier. Mouah, mouah. Ah bah bah, oh.